Bonjour, 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 bonsoir. Non, sérieusement. Encore Spyro, mon ami. Pour moi, ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas joué. Ça doit faire quoi? 4-5 jours à te casser. Mais pas pour vous. Bah oui. Comme je l'ai expliqué dans un épisode de Résistance ou Maître d'être. Non, ça c'est fait. J'aime bien tourner plusieurs épisodes par jour. Voilà le pourquoi du comment. Bref. Je sais pas si vous suivez Résistance, mais j'ai une bonne nouvelle, les amis. C'est que... on va se caler là. On va regarder là. Là, regarde là-bas. Bien. En évitant de tomber, bien sûr. J'ai un nouvel intro. Dégueulasse pour certains. D'autres que ça va être spécial. Ne me jugez pas, d'accord? Pour moi, ça signifie certaines choses. Bref, j'ai une nouvelle intro, nouvelle musique en tête pour cette nouvelle intro. Mais vous inquiétez pas, vous le verrez d'ici prochainement. Dès que j'aurai fini ces jeux, Résistance, Pyro et celui de Call of. Bref, et comment dire, j'ai une nouvelle intro. Oui, ça c'est bon, j'ai dit. J'ai un nouveau logo aussi qui va arriver d'ici prochainement. Peut-être avant une nouvelle intro ou après une nouvelle intro. C'est ma petite soeur qui est en train de le faire sur papier après avoir le refaire sur ordinateur. Je la remercie du plus profond de mon cœur. Il est stylé. Je l'ai pas vu encore terminé, mais déjà le commencement c'est stylé. Voilà, c'était pour vous prévenir. Et la toute dernière chose. Non, pourquoi tu tombes? Ouf, ça va. Ça y est, j'ai la manette Switch qui bug. On va aller par là pour l'instant. Je sais pas si vous me suivez depuis un certain moment, mais j'ai eu un problème à mes doigts. Et ce problème, je ne l'ai plus. Bon, certes, à cause de ça, j'ai les doigts de plus en plus fragiles. Depuis 4-5 ans, je l'ai, cette merde. Mais en tout cas, ça y est, je ne l'ai plus. Du coup, je peux meilleur jouer. Sinon, je suis une merde. Niveau moins 0, ok? Ne me jugez point. C'est parti, on va débloquer ce nouveau personnage. Eh bien, Spyro, regarde un peu ce que j'ai là. C'est une figurine taille réelle de singe de l'espace, avec son fusil laser qui fonctionne. Je le laisserai bien sortir pour que tu joues avec lui. Mais la sorcière le pense dangereux. Ah, 1300 gemmes. Pour aider les pauvres petites créatures, hein, Spyro? Enfin, il ne peut pas y avoir de mal à le laisser sortir, je suppose. Oui. Enfin, je suis libre. Merci Spyro. Oh dis, tu as déjà vu un ours danser? Non. Alors c'est ton jour de chance. Regarde-moi ça. Un sacré danseur, non? Mais pas beaucoup d'endurance. Dommage, il me reste encore beaucoup de munitions. En attendant, j'ai appris que tu avais décidé de combattre la sorcière et ses armées, et que tu gagnais, et je voulais te dire, hurrah, youpi, ouais. Je serais bien resté, mais mon monde a été envahi par les Rinnock après ma capture. Si tu vois la sorcière, dis-lui que je lui donnerai bientôt des leçons de danse, si tu vois ce que je veux dire. Sans problème. À plus. Il est un peu trop surexcité, le petit, hein. Allez, on va essayer de le contrôler, ce petit. Petit singe de l'espace, chimpanzé de l'espace. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de ce genre de référence, ça ne déconne. Labo d'agent 9. Le numéro 9. Allez. On s'y met sérieusement. Ce que j'ai envie, tout simplement. J'ai cru voir un Rinnock. Hop, crois-moi sur parole, Spyro. Ne passe jamais une semaine dans une cage. Tout ce que tu y gagneras, c'est que ton île sera entièrement remplie de Rinnock. Bon, je dois y aller. Mon pistolet laser et moi, on a du travail. Ah, agent 9, mon élève préféré. Content de te revoir sur mon île laboratoire. Les Rinnock ont malheureusement envahi toute l'île. Tu peux les arrêter avant qu'ils détruisent mes recherches?
Pardonne-moi. Ok. Je teste juste. Ok. En fait, il fait juste de tirer. C'est un peu spécial comme son personnage. Bon vieux temps. Tire sur les mannequins pour t'échauffer. Mais fais attention. Je crois qu'un Rinoc est caché parmi eux. Mais oui, t'inquiète pas, mon ami. Waouh, waouh, je suis bon. Une brêle. Ouah, la vache! Ok. Ok. Y'a pas un autre bouton, parce que tirer, c'est... C'était quoi ça? Putain, je peux pas le casser, ce con. Ouais, mais il sait faire que ça, c'est nul, en fait. Moi, je trouve que c'est un peu nul. Mais bon. Pas tout avoir dans la vie. Non. Ça sert à quoi de faire ça? En tout cas, c'est trop bien, on peut les détruire. Non, les détruire, les faire bouger. Que je baisse ce champ de force pour nous attaquer. Il continuera d'en arriver jusqu'à ce que tu tires sur le bouton rouge à côté de la porte d'où ils proviennent. C'est bon, c'est ça qu'il fallait faire. Je sais pas trop à quoi ça sert de tirer dessus. Par contre, il y a une chose qui est bien avec son arme, c'est qu'elle rebondit. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Bon, logiquement, j'ai un oubli, hein. Ces indicateurs montrent qu'un tas de Rinoc se cache derrière l'écran. Je vais allumer le piédestal de vision et tu leur tireras dessus quand ils attaqueront. Je te conseille d'utiliser le mode tireur d'élite. Non, attendez! Oh. Attention à ne pas tomber du piédestal. Utilise le mode tireur d'élite pour les éliminer. Mais non, putain! J'espère qu'on pourra aller les reprendre. Tu tires sur quoi, tête de con? Hein? J'avais pas vu. Oh, ça va un peu vite quand même. Ah, je les avais pas vus. Hop! Attention à ne pas tomber du piédestal. Utilise le mode tireur d'élite pour les éliminer. Désolé pour le boucan. Oh, qui t'a dit d'avancer par contre? Putain, c'est chiant d'avoir des manettes qui bug comme ça. Je l'ai fait tomber, c'est bon le ballon? Non, sérieusement les amis. Ça va être long à chier, je crois, cette merde. Oh. Stop! Oh putain, d'accord, il y en avait 6, j'avais pas vu. Tu les as éliminés! Voyons dans quel état se trouve la salle des machines. Ouf, je crains que les Rinoc ne soient pas très propres. Voilà, ça c'est fait. C'est bon, il n'y a plus un en haut. Oh, tu sais pas monter ou quoi, putain? En tout cas, lui, je l'aime pas, hein. Comme je le pensais, c'est mon point de vue. La salle des machines est envahie d'oiseaux.
pour viser les oiseaux dans leur nid, utilise le mode tireur d'élite. Puis zoom pour plus de précision. Eh oui, t'inquiète pas. C'est ça au moins qu'il faut faire. Hein. Wow, tu sais pas viser ou quoi? Je sais qu'il y en a un encore là. Je crois. Je crois, mes amis. Je crois, mais je n'en suis pas sûr. Hop. Voilà. Il est où le petit sixième? Excellent travail, agent 9. Je ne sais pas si c'est un œuf d'oiseau ou de dragon. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Je dirais plutôt les deux. Je peux réactiver le générateur gravitonométrique. J'espère qu'aucun oiseau n'est entré dedans. Quoi encore? Mais merde, putain. Oh, qu'est-ce que tu me fais? Ah, putain, merde. En plus, le pire dans tout ça... Oh, tu sais plus viser ou quoi, mon ami? Putain, mais oh! Et allez, j'ai plus mon copain Sparks. Hop, 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 hop. J'arrive pas à viser, putain, non, mais t'es sérieux là. Encore plus que deux, ils sont où? Là-bas. Et on va viser comme ça. Wow. C'est fatigué ça. Hein. Oh la vache, c'est vraiment fatigué. Hein. C'est un peu trop sensible. À mon goût. Le laboratoire est dégagé et ça sent déjà meilleur. Allons dehors, je pense qu'on trouvera des rhinocs en armure. Il te faudra une arme plus puissante si tu veux réussir à les battre. Ouais, c'est pas faux. Putain, mec, c'est pas visé ou quoi? Il me manque là, là. D'après mes calculs, les bombes de ce distributeur devraient être très efficaces contre leurs armures. Tu devrais essayer. Mais attendez, c'est trop bien. Je fais comment? Ah merde, c'est vrai, j'ai plus Spark, con. Mais je fais comment pour utiliser ça? J'ai pas bien vu, s'il l'avait dit. Allez. Le laboratoire est dégagé et ça sent... Mais non, mais ça, c'est bon, tu m'as fait flipper, là. D'après mes calculs, les bombes de ce district... Sur hop maintenir, ok. Wow, d'accord, c'est bon, je vois le délire. Ah, d'accord, putain, mais quel con. Oh, merci d'avoir sauvé mon laboratoire.
Je peux recommencer à réfléchir. Attendez, moi j'ai pas fini par contre. Je fais comment pour ouvrir? Bah, je fais. Ah, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Écoutez, on va y retourner vite fait en arrière. On va essayer de le choper. Non! Oh non! J'ai pas visé, hein. Oh putain! Ah bon. Bien. Jean, putain, tu l'as même pas touché, là. Oh, mais qui t'a dit de monter? Mon copetuni, allez hop. Bah oui, Tuni. Bien, on a les trois œufs, ça c'est super par contre. Non, c'est bon. On va récupérer ça. On va faire ça. On va revenir vite fait en arrière, les amis. Je vais faire ça à la va-vite. Par contre, il me saoule parce qu'il s'est pas sauté, le pétun. Bon. Non, c'est pas par là, c'est par là. Putain, j'espère qu'il est pas loin. Hop, 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 hop. Hop, 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 c'est... Ah non, j'ai cru que... Il y avait plein de gemmes, en fait. Non, mais... C'est bon, j'ai tout récupéré, ouais. Ok, donc il faut regarder en l'air aussi. Putain, vous êtes sérieux, là. C'est long, je m'en excuse. On essaie de choper le plus de gemmes. Même si je sais que je suis pas prêt de le faire à 100% ces jeux. Vaut mieux regarder en l'air au cas où. Est-ce que ce sont les derniers? Malheureusement que non, mais c'est pas grave. Je vais pas revenir en arrière. Allez, on se casse, on rentre à la maison. Bon, c'était super, ce petit chimpanzé de l'espace, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, on va essayer de... d'avancer, mes amis. Youpi, chez moi il y aurait neige. Youpi. Allez mon ami, t'es lent là, c'est saoulant. Oh, tu vas où là? Excuse-moi. Bon, ce que toi on t'a fait. Île de cristal, on va regarder ça. Oui, ruine du désert, labo argent neuf. Qu'est-ce que tu veux? Il est trop mignon. Ruine du désert. Ça, c'est fait. Bah, il y en a un là. On va le faire, lui. Tombeau hanté.
C'est parti. On va voir c'est quoi le tombeau hanté, mon ami. Allez, mon petit copain. Allez, mon cher copain Sparks. C'est beau. Il est beau, quand même, ce jeu. Franchement, les Spyro, ils sont bien faits. Dommage qu'ils ne font pas remastered. Putain, j'arrive pas à le dire, c'est chiant. Les autres Spyro. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle la légende du Spyro. Et j'aimerais bien qu'il le fasse en remastered. Remaster, je sais pas comment on appelle ça. Un nouvel aventurier téméraire est venu piller nos catacombes sans scrupule. Espérons qu'il est plus solide que le dernier qui est passé. Si tu peux survivre aux épreuves et répondre à mon énigme, tu auras droit à une récompense digne de tes efforts. Voici mon énigme. Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je ? Je sais pas, mais pourquoi ils font toujours ce genre de référence ? C'est saoulant. Désolé pour mon chien qui crie. Par contre, lui, je sais pas comment le faire pour le défoncer. Je lui fonce dessus, je lui crache sur sa gueule, mais il y a rien. Non, je suis tombé, putain. Faut aller de ce côté. Non. Je sais pas. Putain, j'ai... Il me touchait, allez. Et il me touche même pas! Aïe, putain de merde! Ça fait vachement mal par contre. Ah, peut-être que j'ai trouvé. Oh, tu vas où? Mais non, quel con. Ouah, mec, je te promets que toi... Ok, c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Je vais faire ça assez vite. Par contre, on va où là? C'est mignon tout ça, mais on va où? Oh. Ah, j'ai peut-être compris. Il me semble. Quoi? Attendez, mais c'est nul à chier. Et en plus, je suis mort, putain. Bon, allez vite, mon ami. Parce que j'ai pas que ça à foutre. J'aimerais au moins terminer celui-là. C'est pas si c'est un
un épisode assez court, mais en fait j'ai pas le temps aujourd'hui. Pas le temps. Si on peut dire ça comme ça. Dégage toi. Bon. Ça, ok. On va pas les tuer parce qu'on les a déjà butés. Merde, putain, c'est vrai qu'il faut faire ça comme ça. Attendez. Je peux aller dans l'eau. Est-ce qu'on y va ou pas? Bon, lui, par contre, il est en train de me saouler. Je suis là, mon copain. Ok, donc, il fallait passer par là. Ouais, ça sert à rien de passer par là. Mais genre, putain. Je suis fatigué aujourd'hui, c'est pas possible. Je sais pas comment faire pour détruire ça. Je sais même pas si on peut, de toute façon. Wow, ça m'a fait flipper, là. Y a pas qui... Ah, si. Ok, d'accord, ça sert à ça. Oh non, 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 non. Vite, par contre, putain. Écoutez, on va prendre tout son temps, on va aller à fond. Ça, c'est bien. Thank you.
Il vient pas avoir à se passer un petit souci, là. Oh, qu'est-ce que je fais, putain? Il y a eu sûrement un petit bug. Oh. Oh, j'ai eu un bug là avec le micro. Bref. Je voulais m'exprimer une chose, un point avec vous. Les amis. Putain, genre, je sais pas viser. Je regarde si... Avant de rentrer dedans, je dois vous expliquer un point précis. J'en ai marre que ce chien crie, mais bon, là, je vais pas le mettre en mode muette. Je sais pas si ça va être bien fait dans le montage. Je ne sais pas si je vais vraiment réussir à bien faire le montage. Bref, on s'en fout. En fait, j'ai enregistré la première partie de cette vidéo pendant je sais pas combien de minutes... 29 minutes à peu près, à tout casser, je sais pas. Et comment dire, j'ai mis pause le jeu. Toute la journée, j'étais avec ma nièce, mon neveu et ma grande sœur. Pour notre chaîne, bref. Et m'amuser un peu avec eux quand même. Parce que ça faisait plus de 2-3 semaines, je crois, je les avais pas vus. Bref, n'est pas la chose en question. C'est parce que là, je termine de tourner cet épisode le soir. Il est plus de 7h30 de passé. Alors, c'est quand je l'ai commencé à tourner, il était presque 1h, 2h de l'après-midi, je crois. Je me rappelle plus trop. Mais du coup, voilà. Fallait que je le précise. Tout simplement. Allez, bref, je m'y mets sérieusement. La première manche de compétition annuelle d'aéroglisseur de démolition va commencer. On peut accueillir encore un compétiteur, mais il faut répondre à une énigme avant. L'énigme est la suivante. Si un dragon pond un œuf tous les 12 ans, combien de temps mettront 100 dragons à pondre 100 œufs? What the fuck? What? Non. Je suis vraiment désolé, mais c'est une mauvaise réponse. Non, mais j'ai pas très bien compris son énigme. Il est trop dangereux de te confier les commandes d'un aéroglisseur de démolition. La première manche de compétition annuelle d'aéroglisseur de démolition va commencer. On peut accueillir encore un compétiteur, mais il faut répondre à une énigme avant. L'énigme est la suivante. Si un dragon fond un œuf tous les 12 ans, combien de temps mettront 100 dragons à pondre 100 œufs? Tous les 12 ans? Mais c'est ça? Je suis vraiment désolé, mais c'est une mauvaise réponse. Si tu ne peux pas. Putain, mais mec! L'énigme est la suivante. Si un dragon pond un œuf tous les 12 ans, combien de temps mettront 100 dragons à pondre 100 œufs? Écoute, je vais décider. C'est impressionnant, tu as raison. Je suis une merde. Enfin, alors là, pour répondre à des énigmes, je suis pas le plus fort. Hein. Je suis au niveau moins 4 là, en tout cas. Ouais, mais ça, je m'en fous. On verra ça plus tard. Ok, on esquive comme ça. On tire comme ça. Oh! Mais j'ai pas compris, c'était quoi le délire? Et comment tu veux esquiver ça? Ça va, ils vont beaucoup trop vite. On peut pas aller plus vite? Je vais essayer de prendre bien le temps de comprendre parce que sinon. La première manche de compétition annuelle, l'énigme est la suivante. Très impressionnant. Attendez, tirer en cloche pour esquiver. Ok.
Donc il faut rester derrière un vase. On va se cacher là, hein. Ah mais oui, mais ils sont là. Ça, c'est fait. Merde, je me suis trompé de bouton. Merde. Recule un peu. Voilà. Eh bien, c'était vraiment un combat féroce. Voici le prix pour avoir gagné la première manche. Pourquoi il y en a combien de manches? Tu peux maintenant participer au championnat. Mais attention, c'est un sport très dangereux. Tu devrais peut-être abandonner tant que tu es entier. Eh bien, tu es un reptile très courageux. Mais il te faudra bien plus que du courage pour remporter le championnat. Bon, allez, on va essayer de le défoncer. Je suis coincé. C'est normal que je vais crever. Attends, j'attends qu'il tire. Oh putain, ça va être saoulant. Je sens que ça va être chiant, les amis. Oui, mon ami, allez. On va essayer de notre défense. Hein. Ouais, bon, ouais, blablabla. Tiens, pour la peine. Coup de neuf. On va commencer. Ah, putain. Bref. Concentration, parce qu'il y en a à gauche aussi. Avance, boum. Oh, je vais peut-être faire mon Jai, mon copain Sparks. C'est pas, s'en fout. Mange, mon ami. Oh putain, c'est chiant ça. Mais allez, sérieusement, allez, vas-y, go, go, go. Go, 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 Power Rangers. N'importe quoi. Oh, je me suis trop gavé. Oh là. Transformation Megazord. Poupou. Je connais plus la musique. Oh, je suis dégoûté. Attends, j'essaye de réfléchir, mais je m'en sens plus du tout. Ça craint. Oui, je sais. C'était un combat titanesque. Tu es le premier dragon à gagner cette compétition depuis plus de 1000 ans. Voici en récompense le grand prix de cette année. TJ. Drôle de nom. C'est bon, il n'y en a plus. Allez, on se casse. Parce que ça m'a saoulé. Je sais que j'aurais pas toutes les gemmes dans celui-là. Parce que je savais pas qu'on pouvait les péter les. Comment dire? Je ne sais plus. Oui, mais c'est bon, je m'en fous. On va y jouer, t'inquiète pas, allez hop. Un de ces chiens avec des chapeaux bizarres m'a lancé une malédiction parce que je lui ai tiré dans les fesses. Il a dit qu'il allait transformer ma queue en serpent. Elle ressemble à un serpent. Elle a l'air un peu étrange, c'est clair. Oh, ce chien va me le payer! Derrière cette porte se trouvent les 5 épreuves mortelles du roi Rover. Personne n'a survécu aux 5. En fait, c'est tellement dangereux que tu n'entreras qu'après avoir résolu mon énigme. Voici l'énigme. Je te suis partout où tu vas. Mais plus tu prends de place, plus tu me laisses derrière toi.
Désolé, mon ami. Alors là, très bonne question, ça peut être que le temps, alors. Je sais pas, je dis que de la merde, attends. Voici l'énigme. Je te suis partout où tu vas. Mais plus tu prends de place, plus tu me laisses derrière toi. Je sais pas, j'hésite en vrai. Désolé. Ouais, c'est bon. Je sais c'est quoi, allez hop. Non, putain, j'ai appuyé trop vite, tu con. Voici l'énigme. Eh bien. Merde, désolé. Oh non, ça va être comme ça. Ah, pourquoi? Ok. Ah non, je peux me mettre comme ça aussi, comme. Bien, allez hop. Ça va, c'est pas trop compliqué non plus. Bien. Voilà ça là. Les tombeaux. Je savais pas qu'on pouvait les détruire au début. En vrai, je me suis toujours pas fait toucher. Non. Je peux les détruire comme ça. Bien. C'est bon, c'est fini parce que ça me saoule. Oh la vache. Oh putain, j'ai failli me faire toucher une fois. Quoi. Ça c'est fait. Bien. Ok, d'accord. Un N9, allez, Roxy. Éclos. Mais qu'est-ce qu'ils ont à bouffer des papillons, sans déconner. Bon. Ça nous emmène où ça? Non. Oh, pourquoi? Oups, pétard, ça va beaucoup trop vite là. Ouais, mais ça allait hyper trop vite en vrai. Je déteste les chargements. Parce que c'est beaucoup trop long. Oh. Allez, je vais au moins faire ça. Comment faire? On peut sauter, c'est quand on est dessus là, comme ça. Comment on fait pour ralentir? Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce putain de caillou? Bah. Oh putain. Bon, j'essaie une dernière fois si je comprends que dalle. Je vais y arrêter, mes amis. Et oui, malheureusement. Allez, j'ai envie de savoir comment on fait là, Samsung. Mec, c'est pas what you see to manière. J'ai voulu tenter, mais ça n'a pas fonctionné.
Bon allez, sérieusement une dernière fois, après stop. Hein. Comment je fais pour tourner? Bon, je suis peut-être une... Brel? Peut-être, sûrement moi qui sais pas jouer. Mais je vais arrêter, je vais pas le faire. C'est pas grave, je le referai peut-être un autre jour. Bon, apparemment tu as survécu aux épreuves des catacombes. L'heure est venue de voir si tu es aussi rusé qu'agile. Te souviens-tu de l'énigme? Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je? Hop, 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 hop. Un bandicoot. Oh, magnifique la référence. Mais je crois pas que c'est ça. On va dire un œuf, mais je... Désolé, dragon. Bon, apparemment, je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je? En mon sein se... Tu la connaissais déjà? Je ne pensais pas que tu trouverais. Très bien, un marché est un marché. Tu peux avoir cet œuf de dragon que je gardais pour la sorcière. Allez, on va faire le truc vite fait en bas là. Et ce sera tout pour ce monde. J'ai attendu 7000 ans que quelqu'un résolve cette énigme. Je peux enfin partir à la côte des coquillages pour me reposer. Oui, va. Va, mon ami. Ah non, mais d'accord, ça me fait revenir là. On rentre à la maison. Je pense que j'ai... Peut-être le... Oh. Peut-être le temps d'en faire un petit monde encore. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, écoutez. Montagne de minuit. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux juste vérifier une petite chose. Il nous reste plus que quoi comme monde? Oui, mais ça, je ne peux pas le faire. Pour l'instant. Ah. Mine des dinosaures. Tiens donc. Merde. Toi, c'est comme ça. Wow. Je crois pas qu'on les a. Hein. Tu as trouvé suffisamment d'œufs de dragon pour que j'ouvre le portail. Quand ce sera fait, tu pourras affronter la sorcière dès que tu seras prêt. Mais attention, elle t'attend. Ah bon, j'en ai déjà assez. Non, je veux pas rentrer. Repère de la sorcière. Intéressant. Bon, en tout cas, il m'en reste un là. Circuit du port. Écoutez, non, en fait, on va pas, on en finir là. On va faire ça. On va se faire ça à la va-vite. Oui, je m'en fous du temps. J'espère pour vous, non. J'espère pour vous que oui. Aussi, vous en foutez. Oh putain, j'ai que de la merde. Laissez tomber. On s'en fout ce que je viens de dire. Oubliez. Bah, on va faire circuit du port. Allez, j'espère que ça va pas être compliqué celui-là.
Contourne la montre et après on va affronter je sais pas quoi. Alors les mouettes, arches, langoustes et poissons. C'était quoi c'était je m'en souviens plus. Ok les poissons ils sont là. Je vais être franc avec vous, je ne sais pas du tout c'était par quoi qu'il fallait commencer. Putain je suis dégoûté. Je vais commencer par quoi? Ah. Je pense que c'est comme ça. Hein. De toute façon, nous le verrons bien. Par contre, le temps est dégueulasse. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais? Ça, c'est des langoustes. Ça, je m'en souviens, ça, par contre. Allez, petit poisson. Non, j'en ai loupé un. C'est pas un. C'est pas un, les amis, c'est pas un. Ça va trop vite, par contre, là. Oh, je suis dégoûté, putain, je suis tombé dans l'eau. Je vais essayer une dernière fois. Putain, mais ça va beaucoup trop vite, par contre. Pour les poissons, parce que là, c'est loin. Vous, je vais venir vous défoncer un peu plus tard. De toute manière. Pouf! Mais pouf, je t'ai cramé le pion. Non, putain, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh là, je sais pas si je vais réussir sur ce coup-là. Putain, en plus j'ai la manette qui bug, du coup ça me fait monter ou descendre tout seul là. Parfois. C'est bien saoulant. Allez, faut pas que je me loupe. Regardez comment ça va vite. Ça va trop vite. Non. Stop. Oh putain! Oh la vache! J'ai cru que j'allais pas réussir, hein. Non, 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 c'est bon. Affronter les fous à pied bleu. Allez, c'est parti. Je m'en suis douté qu'il s'était contre eux. Non, ça va beaucoup trop vite. Wow, calm down. Allez, mais qu'est-ce que... J'ai envie de décider. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Oh, n'importe quoi, moi. C'est pas... C'est bon, je vois à peu près comment... ça se passe. Mais il y a quoi? Il y a du vent là ou ça se passe comment? Putain, genre je l'ai même pas pris.
Pauvre merde que tu es là. Ça va trop vite! Non, toi je te prends pas. Dégage toi, tu m'as saoulé là. Oh là 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 là. Une dernière fois. Vraiment dernière. Ça y est, ça va commencer à me saouler. What the fuck? Ah, j'ai cru que je l'avais pas pris. Hein. Et là, je vais vraiment le prendre. Putain, on est obligé de passer par ces... anneaux verts, là. Allez, mon ami, je sais que tu en es capable. Là, je descends pas. Hein. Faut pas faire le foufou, là. Putain, je suis dégoûté, il y avait un truc... un petit missile en bas. Je cherchais le mot. Putain, mais vous êtes fous, les amis. Essaye d'en prendre autant que tu peux. Bah, j'essaye, hein. Je suis cinquième. Vous y croyez ça, que je suis cinquième? Bon, là, c'est bon, on connaît à peu près. On va essayer de reprendre. Non! Oh non, 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 stop, là. Ça m'a saoulé. Je le ferai... enregistrement. Genre, j'ai pas réussi. Allez, ça m'a saoulé, là. Bref, je vais vous laisser... sur cette merveilleuse défaite. J'espère qu'elle est vraiment merveilleuse. Juste pas... N'importe quoi. C'est bon, ça m'a saoulé, circule. Je suis bien content que ce soit le dernier. Bon. Le prochain épisode, c'est le dernier des derniers. Spyro, c'est fini. Je ne joue plus à aucun Spyro, les amis. Non, je... Si je peux, je ferai des autres Spyro. Bon, certes. C'est des vieux jeux, mais bon, on s'en cogne un peu, hein. C'est voilà, circuit du pôle, malheureux. Voilà, on va se laisser là, comme ça, avec lui qui crie là. Mais qu'est-ce que tu veux, t'es pauvre, Mélanie. Voilà, vous êtes mignon. Oh, qui t'a dit d'avancer? Bref, je pose la manette, et moi, je vous dis... j'espère que ça vous a plu, sincèrement. Même si cet épisode est un peu spécial. Mais bon, c'est pas... Bisous, Bonnie, un de ces quatre, et j'espère que vous allez aimer la fin de ce jeu avec moi, avec Tonton aujourd'hui, nous. Merci, les amis.